Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de coloriage que j'ai reçu de chez Amazon. Il y a Fifi, il y a mon Fifi, bonjour, il y a dire bonjour, il dit bonjour. Il dit bonjour aux copines. Bonjour les copines. Bonjour, comment ça va les copines, à maman? Ça va les copines, à maman? J'ai ses poils. Rien, elle repasse. Donc oui, je vais vous présenter un livre que j'ai eu, donc que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé sur Amazon. Alors, c'est un livre de coloriage de la dessinatrice Alena Lazareva. Voilà. Alors, si je vous montre comme ça, vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous le remontrer à plat, vous le verrez à l'endroit. Là, vous le voyez à l'envers, hein. C'est surtout pour le titre. Je suis désolée, je suis sur mon téléphone. Mais après, vous le verrez à l'endroit. Donc, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un... Alors, il y a beaucoup de... C'est que des personnages, hein, que des personnages féminins, des portraits, beaucoup de cheveux à faire. Donc, c'est surtout pour ça que je l'ai choisi. Et donc c'est un que je voulais acheter déjà depuis un petit moment. Donc bon, je vais changer le téléphone de visio, ça ira mieux pour vous expliquer. À tout de suite. Donc voilà, c'est le Elegant Beauty, donc de Alena Lazareva. Donc là, ce sont des coloriages en grayscale. Voilà. Donc, le grayscale, vous allez voir ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas. Ce sont des coloriages. Donc, les dessins sont faits avec les ombrages déjà. Voilà. Donc, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment, comme moi. Ça peut aider pour le coloriage, pour savoir justement où il faut mettre les ombrages. Voilà, au niveau des coloriages. Moi, j'aime bien. De colorier sur du grayscale, moi ça ne me gêne pas, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Bon, ça c'est affaire de goût, hein. Alors sur ce livre là, alors ça c'est le petit truc qui est un tout petit peu gênant. Alors c'est, je vous le montre tout de suite, voilà, ici vous avez un second set de pages. Voilà, vous avez les dessins en double. Voilà, donc comme ils disent, pour faire avec un... J'ai pas traduit entièrement la phrase, mais avec un membre de la famille, colorié avec un ami, voilà. Ou alors, colorier votre image favorite une seconde fois, voilà. Ou alors d'une autre couleur si vous le désirez. Donc vous, toutes les images que vous avez sont en double. Il y a 20 dessins en tout. Voilà. Donc voilà le premier. Alors j'espère que vous voyez bien en entier. Avancer la lumière peut-être, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc voilà le premier. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le grayscale. Vous voyez, le dessin est en gris et donc c'est ça du grayscale. Quand vous allez colorier, vous savez déjà où les ombres se posent quand vous devez colorier. Alors hop, hop, hop. Voilà, je pense que ça ira mieux comme ça. Vous voyez déjà les ombrages, surtout dans les cheveux. Voilà, ici dans les plis de la robe,
les ombrages du visage. Tout. Donc, c'est plus facile quand vous débutez, par exemple. Mais je vous dis, ça peut aussi vous embêter si vous n'aimez pas. Alors, voilà le premier dessin. Le second, donc ici on aura de jolies nattes à faire. Ici, un joli personnage pareil avec de jolies nattes et un joli chignon. Je regarde si vous voyez bien l'image en entier. Je ne crois pas. Attendez. Oh, pardon. Voilà. Là, vous verrez en entier. Voilà. Désolée, hein. Désolée d'avoir bougé. Voilà. Ici, une jolie japonaise. Donc, vous voyez, il y a un dessin par feuille, hein, par page. Derrière, vous n'avez rien. Donc, c'est ce qui vous permet, si vous voulez faire en feutre ou en aquarelle, au moins, il n'y a pas de dessin derrière. Mais par contre, bon, si vous faites du feutre ou de l'aquarelle, pensez à mettre une feuille cartonnée entre les deux pour pas abîmer la page qui est derrière. Ici, pareil, une jolie chevelure tombante avec des orchidées dans les cheveux. Là, ça va être principalement un chapeau avec quelques cheveux, la robe. Ici, une dame plutôt métisse. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de cheveux, hein, ça va être surtout son foulard, les bijoux, le visage. Ici, encore de jolis cheveux, une jolie cascade de cheveux à faire avec de jolies fleurs. Là, un joli portrait. Ici, on a un joli chignon avec des coquillages dans les cheveux. Sur celle-ci, on aura de jolis cheveux bouclés à faire avec une rose, le chapeau. Là, ce sont des feuilles, des plumes de paon. Encore une jolie cascade de cheveux bouclés. Donc, on m'avait demandé cette semaine de faire des vidéos cheveux. Ben là, je vais pouvoir en faire sans problème. Ici, pareil. Donc, de jolis cheveux style un peu chignon avec des roses, des baies. Une petite coccinelle là. Alors ici, on a des jolies fleurs exotiques. Elle a deux petits chignons de chaque côté. Bon, ici, ça va être assez simple, hein, les cheveux courts, la fleur de lys. Les perles. Ici encore une cascade de cheveux avec une natte et des plumes et des petits papillons. Là un peu, je pense que ça fait un peu années 50. Voilà. Avec les bijoux dans les cheveux, une grande rose. Ici encore,
pardon, un personnage métisse avec toutes les petites nattes, toutes les petites tresses dans les cheveux. Là, encore une cascade de cheveux avec deux grosses nattes à faire, avec des cheveux, des fleurs dans les cheveux, pardon. Ici, je trouve très joli. Là, une couronne avec des petites perles. Pareil, la natte, le tombé de cheveux de chaque côté. Et voilà. Et là, donc, on arrive à la deuxième série. Et donc, là, vous voyez, ce sont exactement les mêmes. Donc, si vous êtes à deux à la maison à faire du coloriage, ben, ça vous permet de partager le livre de coloriage. Ou alors, comme j'ai dit, sinon, si vous voulez refaire le même personnage, par exemple, mais dans d'autres couleurs, ben vous pouvez le faire deux fois, mais avec d'autres couleurs. Ou une autre technique. Par exemple, en faire un en crayon de couleur et en faire un au feutre ou à l'aquarelle. Voilà, comme vous voulez. Donc, voilà. Et ici derrière, donc, on a le rappel de tous les dessins qui sont dans ce livre. Donc, je le trouve très joli. Ça faisait déjà un moment hein, que je devais le commander. Et puis, bon, j'attendais. Et là, je me le suis pris donc cette semaine. Donc, Alena Lazareva a d'autres livres hein, de coloriage. Bon, il y en a que j'aime bien. Il y en a que j'aime un peu moins. Hein, parce que, bon, ben, il y a des dessins qu'on peut toujours... On n'aime pas tous, hein, voilà. Je suis en train de regarder justement, attendez, sur Amazon. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Hop, 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 j'ai perdu ma page, c'est pour ça que je perds un peu de temps, je suis désolée. Hop. Voilà, donc... il y a des livres de coloriage où il y en a une centaine dedans. Donc, c'est des best-of. Après, là aussi, le fashion. Le fashion, c'est celui-là que je crois que j'aime un peu moins. Il y a le Ladies of Nature. Il y a le best-of, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un, deux, trois, quatre. J'en vois quatre là avec une centaine de coloriages dedans. Il y a le Victorian. Bon, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de chez elle. Je ne sais même pas si j'en ai pas déjà un de chez elle. Alors attendez. Pouf, pouf, pouf. Je regarde si celui-là, c'est pas d'elle. Et ici, bien, voilà. J'en avais déjà un d'elle. Voilà, le Magic Automne. Je ne me rappelais plus. Donc, Magic Automne, c'est déjà d'Alena Lazareva. Voilà. Donc, j'en ai pas d'autres hein, de chez elle. Non, je pense pas. Non, non ça, c'est déjà de Summer. C'est pas la même. Donc là, le Magic Automne, c'est pareil. Ben, je vais vous montrer... Si, je sais plus si je vous l'avais présenté. Bon, là, il y a déjà les coloriages de fées. Hein. C'était sur le thème de l'automne, d'Halloween. Voilà. Et celui-là, j'avais déjà fait des dessins en 2019. Donc, celui-là, on peut encore le trouver aussi. Hein. Je vous mettrai le lien pour le retrouver aussi. Vous voyez, malgré que c'est du grascal, les ombrages, une fois que c'est coloré, ça ne gêne pas. Hein. Bon, celui-là n'est pas terminé.
hein, que j'ai pas fait par contre. Oh, j'en ai encore plein dedans, hein, j'ai pas fait. Il est très joli aussi celui-là. Voilà. Ben, celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait au mois de février cette année. Voyez. Il y a la sorcière sur son balai. Là, c'est un peu clown. Là, c'est un peu style steampunk. On voit avec le chapeau. Et il y a quand même les citrouilles. Un chapeau de sorcière. J'aime beaucoup aussi hein, celui-là. Là, pareil. Hein. La marmite de la sorcière, le chat. Là, je ne sais pas qu'on a tous fait, hein, vous voyez. Celui-là est mignon aussi, avec les petits mignons. Là, avec les fantômes. En voilà un que j'avais fait. Je sais plus à quel crayon je les avais fait. Et voilà. Et donc, pareil, comme pour l'autre, hein, on se retrouve avec les mêmes dessins en double. Voilà. Donc vous pouvez soit les refaire ou les donner à une amie pour qu'elle les fait ou quelqu'un dans chez vous pour qu'elle les fait en même temps que vous. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça c'est le nouveau qui vient d'arriver et ça c'est celui que j'ai déjà depuis un petit moment. Donc bah, 2019 du coup. Oui c'est ça. Oui 2019 celui-là je l'ai. Je vais vous mettre le lien pour retrouver les deux donc sur Amazon. Donc je vous dis j'aime bien hein, ce dessin, cette dessinatrice, mais il y a des il y en a quand même que j'aime un peu moins dans les livres. Par exemple, il y a le alors il y a le je retrouve plus, je le retrouve plus. Il est où? Ouais, le Sweet Dream, c'est avec des gâteaux, des bonbons, des choses comme ça. Là, ça m'attire moins. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est ben, c'est les personnages. Voilà. Oui, non, le steampunk, ouais, je l'ai là. Donc, c'est Jade Summer, donc c'est pas ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc je voulais vous présenter donc ce nouveau coloriage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.